Allez, salut à tous! Du coup, j'ai recommencé la partie avec les escaliers infernales avec les types, donc avec les grenades stun, ça fonctionne très bien. Donc on est reparti pour un tour de ce côté. D'ailleurs, j'ai sauvegardé. Hop là. Vous avez appelé Snake? Oui, j'ai appelé. Hop là, des grenades stun dans l'escalier, franchement, ça fonctionne bien. Par contre, il y a vraiment des chiens. Hein. Oh, En faut y Chine, aller, quoi. on dit. Faut y aller quoi pour ça, parce qu'ils se relèvent à une de ces vitesses, les mecs, et oh, c'est chaud quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Du coup, on a une clé. Évidemment, j'ai perdu de la vie. Mais bon. Donc on est au cours de au tour de communication et je crois qu'il reste 5 ou 6 chapitres et après je pense que c'est fini. Hein. Je vais prendre ça vite fait. On va voir un petit peu ce qui se passe par là. Le gros point nord, c'est vraiment le sniper, hein. C'est un truc de ouf ça. Fallait pas passer par là, du coup. Peut-être que si, mais j'en sais rien. C'est quoi du coup? C'est un game over ou c'est un fait exprès? Ok. Nom de Dieu. J'ai besoin d'une corde. Je devrais pouvoir me servir de cette corde. Qu'est-ce que tu vas faire? On en a une de corde, on en a récupéré une en bas. Maintenant tu es à moi. Si je reste là, je suis cuit. Bon attends, donne-moi la corde déjà. Hop. Attends, je l'ai la corde en plus. C'est pas là qu'il faut la mettre. Apparemment, ça l'amuse. Ok, tant mieux pour toi. Bon, c'est bon, je vais mettre la corde. On est d'accord que c'est là-bas que je dois mettre la corde, du coup. Je comprends pas trop là. T'as pas l'air bien, Snake. Mais attendez, je sais pas trop où la mettre cette fichue corde.
Ça pète les oreilles. Okay. Bah, j'ai eu un petit bug. Il voulait pas mettre la corde. J'ai essayé partout. Il voulait pas la mettre. Pas pourquoi. Mais voilà, c'est bon. Bon, je sais pas si je dois redescendre en rappel ou si je dois passer là. Ok. Voilà comment descendre en rappel. Appuie sur la flèche directionnelle bas pour glisser et sur la flèche haut pour arrêter la descente. Appuie sur la touche croix pour t'écarter du mur. Une fois éloigné du mur, appuie sur la flèche directionnelle bas pour descendre. Si tu appuies sur gauche ou droite lors du saut, tu feras un grand bond dans cette direction. Si tu appuies et restes appuyé sur la touche rond en utilisant les flèches directionnelles, tu peux ramper le long du mur. Si tu es synchro, tu devrais pouvoir éviter les tirs du Hind pendant la descente en rappel. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi, Snake. Ok, bon, j'imagine déjà la galère du coup. Sauf qu'en plus il y a du gaz, donc c'est bien aussi. Ok. Bon, c'est bon du coup. Est-ce que c'est sur celle-là qu'il faut utiliser du C4 ou pas du tout? Ok, donc c'est bien ça. Bon, là-bas, je vais pas y aller tout de suite. Je vais juste aller voir par là. Hop là. On va peut-être faire une sauvegarde aussi avant. Ouais, je vais faire une sauvegarde. En fait, on revient dans la tour. Donc, est-ce qu'il y a un grand intérêt de faire ça? Pour vous, Snake? Bon, du coup, on a fait le grand tour juste pour poser un C4 et revenir là. Je pense que de toute façon, il va falloir. Il va falloir passer de l'autre côté de toute façon. La tour de communication B, je pense. À moins qu'il y ait un lance-roquettes. Putain, ça commence bien. Qui me laissera pas aller. Il me laissera pas faire. Ok, je vais aller voir. Il y a pas un truc là-bas. On va redescendre et on verra ce qu'il y a à récupérer. Je pense que c'est ça. Donc on se retrouve juste après. Donc les amis, on se retrouve du coup. Alors j'ai été chercher toutes les munitions qu'il y avait en bas. Comme ça on est tranquille. Je vais sauvegarder vite fait. Je pensais qu'il y aurait un lance-roquette quelque part, mais. Pas du tout, apparemment faut prendre le truc qu'on a déjà et les missiles téléguidés. Hop, donc on sauvegarde ici. Hop, j'ai été rechercher une ration aussi en bas. Il y en avait, une, donc voilà. En Chine, oui, c'est toi avec ta Chine, on connaît. Je me fais le même switch depuis tout à l'heure. Donc, du coup, le truc c'est de prendre le Nikita. Hop là, là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein, du coup. Ennemi, il est là. Hop.
Oui, enfin, généralement, en fait, tu prends... Je crois que c'est l'hélicoptère, en fait. J'ai pas été voir plus loin. Et de deux. Super. C'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Mais c'est lui, cet enflure là qui me tire dessus. Putain, je vois rien. Ça, c'est le truc, le genre de truc qui me fait chier. Là. Bon, je vais reprendre le Nikita, tant pis. Pouah, la vache, c'est pas juste. Il est où? Putain, ce petit con quoi. Là, tu me permets, je prends ça. Ok. Ah ben voilà un lance-roquette finalement. Finalement on en a un. Parfait ça. Ah oui putain il va me refaire comme... Oh ça promet quoi. Il va me refaire comme... Comme le sniper, ok. Je sais pas si c'est des trucs qui sont corrigés à partir du 2. Parce que le 2 on part sur le même principe avec une caméra comme ça aérienne. Et du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. Je vous dis, c'est pas des jeux auxquels j'ai l'habitude de faire. Super, qu'est-ce que je dois faire, du coup? Mais j'ai hâte de faire le 2, quand même. Des grenades, ok. On doit descendre, sérieux? Après, je pense que 2 ou 3 coups de roquette, ça va suffire, hein, du coup. Et là, je vais... Bon, bah du coup, l'ascenseur est bloqué, donc on va aller voir ce qui se passe en bas. Bah j'ai une corde encore, non? À moins que je l'aie plus. Non. D'accord. Bon, ouais, du coup on remonte. Bah, j'ai pas le choix, je peux même pas descendre en plus. Je pense qu'on va trouver un truc là-haut, non? J'ai pas le choix du tout, hein. À moins qu'il y ait un coup de C4 à mettre sur un mur ou l'autre. Non. Je sais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, ça c'est quoi? Des munitions de FAMAS. On n'est pas besoin. Ah, je peux plus avancer. Ah, d'accord.
Comment es-tu arrivé ici? Rien d'aussi dramatique que votre entrée, croyez-moi. Moi, j'ai le vertige. Tu m'as vu? Ouais, j'ai tout vu. J'étais caché à l'arrière de leur camion. Et merci le camouflage optique. Comment t'es monté jusqu'ici? L'ascenseur, bien sûr. Le premier palier de l'escalier circulaire a été détruit. C'est pour ça que j'ai pris l'ascenseur. L'ascenseur marchait? Oui, c'est exact. Vous êtes incroyable. Comme un héros dans les films. Non, t'as tort. Dans les films, le héros sauve toujours la fille. Quoi? Meryl? Désolé, je n'ai rien dit. Snake, j'ai quelque chose à vous demander absolument. Et c'est pour ça que je vous ai suivi. Est-ce que vous avez déjà aimé? C'est pour savoir ça que tu es venu? Non, enfin, je me demandais si un soldat tombe amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Pensez-vous que l'amour peut naître sur un champ de bataille? Ouais. Je crois, oui. L'amour peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais quand on aime quelqu'un, il faut être capable de le protéger. Je suis bien d'accord. J'ai un service à te demander. T'inquiète pas, ce sera facile. Je vous ai dit, je veux faire de mal à personne. C'est pas ce que je demande. D'accord. L'ascenseur est arrêté en bas. Je veux que tu le fasses marcher. Tu vois? C'est bizarre. Il marchait, maintenant il ne marche plus. Le panneau est peut-être cassé? Tu peux le réparer? Il marchait avant. Si c'est le mécanisme, je peux m'en occuper. J'y vais. J'ai une mouche bruyante à écraser. Vu. Ok, je reste là et je garde la maison. Bon courage. Mon Dieu, t'as une de ces têtes? Ça va? Pas d'inquiétude. Un vol d'importance. J'ai qu'à prétendre que j'existe pas, et j'ai plus peur. Logique étrange. Je compte sur toi. Alors, il est parti où lui du coup? Mais je peux monter encore ici. Putain, connerie, va, j'avais pas vu qu'il y avait ça moi. Il n'y a pas de radar en plus, et c'est relou. Attendez, je vais prendre mes rations, vite fait. Ok, est-ce que j'ai mes grenades... Chaff. Le problème c'est que s'il y en a plus là-haut... Je saurais peut-être pas... toutes les neutraliser. Il n'y a rien là-haut, s'il y en a encore deux. On va sauvegarder, rapidement. Qu'est-ce que c'est, Snake? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Snake. Donc, on peut être la rêve de la musique, du coup. L'homme fier ne mange pas de viande. Ok. L'homme fier ne mange pas de viande, non, mais... Putain, mais ils en mettent combien des trucs là? Il y en a trois juste là, quoi. De ouf. C'est n'importe quoi. L'autre, il aurait pu me filer son camouflage optique, hein, mine de rien, parce que... ça aurait pu faire la grande différence. Aïe.
Allez, il y en a 4 maintenant. Bah oui, pourquoi pas. Je suppose qu'après ils vont en mettre 5, 6. C'est, par contre, c'est du n'importe quoi. Là, tu sens que les devs avaient plus rien à foutre et ils ont foutu toutes les tourelles du jeu. Un seul endroit. On arrive au bout ou pas du tout là? Allez, palier 27, c'est bien. Oh. 43 étages sans ascenseur. Ah, l'ascenseur en plus il est bloqué, c'est chiant quoi. Ok, ah bah grenade chef il t'en donne mais quand on a plus besoin. Ok, là-bas on récupère une ration. Ok. On va re-sauvegarder mais sur un autre fichier. Ah, la sauvegarde je vais en abuser clairement. C'est ce genre de jeu là en tout cas. Vous avez appelé Snake? Yeah, je vais appeler madame. Je vais sélectionner cette partie. Hop là. Et elle va encore me faire chier que c'est... En Chine, on dit si... si le renard passe son museau, le reste de son corps suivra bientôt, semble t'a dit. Wow. C'est que la tête qui dépasse, c'est qu'il est plus trop vivant ton renard. Hein. Du coup, on va s'équiper peut-être du lance-roquette, le Stinger. Ok, on a 20 balles. Quelque chose me dit que ça va être très chouette ce genre de truc. Hop là. Tu veux pas monter? Non, voilà. Donc tour de com B, j'imagine. Ok. Alors, le serpent est enfin sorti de son trou. Tu es prêt, mon frère? Pourquoi tu m'appelles ton frère, hein? Qui es-tu? Je suis toi. Je suis ton ombre. Quoi? Demande au père que tu as tué. Tu vas le rejoindre en enfer. On a de la chance que c'est des missiles à tête cherche, ça pour le coup. Voilà, par contre, c'est. Je suis en train de gâcher toutes les balles pour rien. Bon, ça va, ça fait pas tant de merde du coup que le. Que le sniper. Hein. Donc le ND, c'est celui qu'on a vu au tout début du jeu, du coup. Il va rester à distance. J'ai mes rations.
attaquer. Est-ce qu'il y a encore des munitions ou pas du tout? Là. Je vais voir s'il y a des munitions qui traînent. Là, il y a quelque chose. Yes, parfait. Là, je vais pas tirer. Je vais attendre, il va remonter, non? Attendez, on va faire autrement. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Ah, le salaud, il passe par en dessous, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois le point hein, qui se déplace du coup sur la map. Il fait le tour du coup. Hop. Voilà, il est juste là. Il est ressorti là-bas. Il y en a encore deux fois et puis je pense qu'on sera bon. Attends, il est où maintenant? Là. Merde. Oh si, c'est bon, ça l'a touché. D'accord, parfait. Bon, je vais attendre qu'il remonte. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres munitions dans le coin? Ah, l'autre il est parti là-bas. Salaud. C'est pas grave. Il remonte là-bas. C'est bon. Encore un. J'imagine qu'il y en a encore un du coup. On va aller se cacher là-bas en vitesse. Hop là, on est déjà à 30 minutes d'épisode juste pour ça. Hein. Ne dis pas que je suis mort. Ah, j'ai eu un doute tout d'un coup. J'ai cru qu'il m'avait tué en même temps. Ok. Donc pour connaître un petit peu les origines de Fox Sound, il faut faire Metal Gear Solid Portable Ops que j'ai sur PSP. Yeah. Ok, parfait. Bon. On va faire une sauvegarde en même temps. Juste après. Snake, l'ascenseur marche. Tu l'as réparé? Non, c'est trop bizarre. Brusquement, il s'est mis à monter. Il va vers toi. C'est vrai? Ok. C'était quoi l'explosion que j'ai entendue? Hein? J'ai simplement descendu l'hélico. L'hélicoptère? Mais c'est incroyable! Écoute-moi, je vais être bien sûr. Est-ce que c'est bien par là qu'on va vers l'entrepôt de Metal Gear? Oui, absolument.
La porte du hangar souterrain se situe à l'arrière de ce champ de neige. Ok. Mets-toi à couvert pour l'instant. Moi, je vais descendre dans le souterrain. Je sais. Pas la peine de rabâcher. Et ne reste pas dans mes pattes. Ne joue pas les héros. Ok. Vous m'appelez si besoin est. Je lui fais pas confiance, moi, ce type-là. Bon, du coup, nous, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour cette partie-là. Qui a-t-il, Snake ? Et on se dit, du coup, la prochaine. On se rapproche de la fin, de toute façon. Et puis, voilà. Tranquille, on prend pour enchaîner avec le 2, peut-être. Pensez à sauvegarder aussi vos souvenirs de moi ? Tu ne peux pas sauvegarder les souvenirs, même sur ta machine. Les souvenirs sont trop fragiles. Si tu les réduis en nombre binaire, puis tu les envoies dans l'espace, ce ne sont plus des souvenirs. Je n'en suis pas si sûre. Il n'y a rien que la technologie numérique ne puisse faire. Les souvenirs ne sont pas uniquement des sons et des images. Ils se trouvent quelque part entre les sons et les images. Je ne comprends pas. On peut tout faire numériquement. Si c'est vrai, pourquoi ne sauvegardes-tu pas ce que je pense à l'instant ? Je ne peux pas sauvegarder ça. Vous devez au moins l'exprimer avec des mots. Exact. Mais les mots ne traduisent pas les souvenirs. C'est ainsi. Je ne sais pas tout ça. Peu importe les progrès technologiques réalisés, tu ne seras jamais capable de pénétrer le cœur humain. Vous avez tort. Ce n'est qu'une question de temps. Mais tu dois d'abord tenter de comprendre les émotions humaines, Mayling. Et comment dois-je faire ça ? Tu dois te donner une chance de tomber amoureuse de quelqu'un. Allez, à la prochaine.